Pour expliquer un petit peu, on a, avec Jean, publié dans la revue Cause commune, ces deux dernières années, dans chaque numéro, l'analyse d'un texte de Gramsci. Et l'objectif étant d'en faire un petit ouvrage comme celui-ci. Donc on avait découvert Marx, donc c'était chaque mois dans la revue Cause commune, un texte de Marx expliqué. On a fait ensuite Engels, et là l'idée est de faire donc un 12 explications de texte présentant la pensée de Gramsci de la manière la plus pédagogique qui soit, etc. Voilà. Et donc c'est un peu pour présenter ce travail que Jean... Donc je me suis lâchement défaussé sur Jean, parce que j'avais d'autres choses à préparer, donc c'est lui qui va vous parler de Gramsci. Simplement, donc le livre n'est pas encore publié, on vous dira peut-être quand il le sera, mais il y a deux choses hein, qu'on peut vous indiquer si la pensée de Gramsci vous intéresse. Vous avez cette anthologie de textes qui s'appelle « Guerre de mouvement, guerre de position », qui est faite par Razmik Kecheyan. C'est sans doute de ces dernières années la meilleure des anthologies parues sur Gramsci. Voilà, vous avez vraiment les textes les plus essentiels avec des introductions très éclairantes à chaque fois. Et puis là, qui vient à peine de sortir, c'est une réédition d'une partie des cahiers de prison de Gramsci aux éditions d'Elga. Donc ça vient de paraître là au début, ce mois-ci. Voilà, en termes de biblio, ce qui nous semble intéressant sur le sujet. Je vais passer la parole tout de suite à Jean. Merci Florian. Alors, pour vous parler un petit peu de Gramsci ce matin, je voulais commencer, disons, par partir de l'étonnante fortune en fait, que connaît Gramsci depuis plusieurs décennies, pour essayer d'en montrer le caractère paradoxal. Pour le dire brièvement, qui aujourd'hui ne se revendique pas du dirigeant communiste italien Antonio Gramsci? Presque personne, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Il y avait un article dans Le Monde diplomatique qu'avait rédigé justement Razmik Kecheyan, hein, l'auteur, l'éditeur de cette anthologie que mentionnait Florian à l'instant, qui avait parlé à propos de Gramsci d'une pensée devenue monde, tant cette pensée était reprise finalement de tous côtés. Alors vous allez me dire comment est-ce qu'on peut avoir une reprise de Gramsci par exemple à droite. Alors partir de là pour montrer le caractère un petit peu surprenant de la chose, en fait c'est une opération qui n'est pas nouvelle. On a ça en fait dès les années 70. Vous avez chez un des théoricien de ce qu'on appelle la nouvelle droite, hein, vraiment un théoricien d'extrême droite qui s'appelle Alain de Benoist, qui avait pu revendiquer sans vergogne hein, un gramschisme de droite, c'est-à-dire l'idée de mettre au fond la théorie de l'hégémonie culturelle développée par Gramsci au service du nationalisme européen. Ça, c'est ce que proposait par exemple Alain de Benoist dès les années 70. Plus récemment, ça a été le cas de Nicolas Sarkozy. Hein, Nicolas Sarkozy déclarait au Figaro en 2007, quelques jours avant son élection, hein, je cite, « Au fond, j'ai fait mienne l'analyse de Gramsci. Le pouvoir se gagne par les idées. C'est la première fois qu'un homme de droite assume cette bataille-là », disait Nicolas Sarkozy. Il se trompait un petit peu, mais on voit bien... Je vois bien l'idée. Dernière référence, après j'arrête de vous accabler avec tous ces gens en force de sympathie. Marion Maréchal Le Pen, l'an dernier, dans Valeurs Actuelles, annonçait que, alors qu'elle avait participé à la création d'une académie de sciences politiques visant à former des dirigeants d'extrême droite, disait que son objectif, c'était d'appliquer les leçons de Gramsci sur la bataille culturelle et de s'en servir pour mener la bataille culturelle d'extrême droite. Alors, je voulais quand même partir de là pour vous montrer l'ampleur des récupérations politiques qui, évidemment, reposent la plupart du temps sur des lectures tronquées de Gramsci, mais qui existent. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte si on veut, aborder aujourd'hui la figure de Gramsci et comprendre au fond, pourquoi elle a tant de succès.
Si maintenant on va de l'autre côté de l'échiquier politique, donc plutôt de notre côté de l'échiquier politique, à gauche, eh bien la figure de Gramsci est aussi revendiquée par des gens très différents. Et c'est vrai que, ces dernières années, la figure de Gramsci a beaucoup été revendiquée à gauche par ce qu'on peut appeler les tenants du populisme de gauche. Hein, c'est chez les tenants du populisme de gauche qu'on retrouve une référence très appuyée à la pensée de Gramsci. Je prends un exemple qui est un exemple sur lequel j'avais un petit peu travaillé, qui est l'exemple de Chantal Mouffe, une des principales théoriciennes du populisme de gauche. Elle avait publié il y a quelques temps un livre d'entretien avec Íñigo Errejón, qui était à ce moment-là un dirigeant de Podemos. Et vous avez tout un chapitre de ce livre d'entretien qui s'appelle Gramsci. Et vous avez un autre chapitre qui s'appelle Hégémonie et guerre de position, donc les concepts de Gramsci. Et vous avez vraiment la centralité de la figure de Gramsci dans ce type de discours politique. Alors, chez quelqu'un comme Chantal Mouffe, si on prend, parce que sa lecture de Gramsci n'est pas récente non plus, elle remonte déjà aussi à plusieurs décennies, et si on prend son ouvrage classique qu'elle avait écrit avec Ernesto Laclau, qui s'appelle « Hégémonie et stratégie socialiste », il y avait déjà l'idée qu'il fallait utiliser Gramsci, l'interprétation, on va dire, hétérodoxe de Gramsci, c'est-à-dire une interprétation de Gramsci, en fait, qui fait l'économie ou qui évacue la question des classes, pour développer une théorie de l'hégémonie, précisément, puisque c'était le titre de l'ouvrage. Dans cette vision-là, qui était développée par Mouffe et Laclau il y a déjà plusieurs décennies, le concept d'hégémonie, sur lequel je vais revenir, rassurez-vous, était transformé, je dirais, de l'hégémonie d'une classe en hégémonie d'un nous, un nous qui relève de la construction par le discours. Là aussi, il y a des choses dans ce type de lecture de Gramsci qui posent problème, et on peut considérer que ce type de lecture de Gramsci représente peut-être une forme d'appauvrissement plutôt qu'une forme d'enrichissement. En tout cas, c'est la façon dont moi je vois un petit peu les choses. Et je dirais que, en tout cas, dans beaucoup de lectures de Gramsci, qui cherchent à couper finalement la pensée de Gramsci de son lien avec le marxisme, de son lien avec l'analyse de classe, eh bien, ce type de lecture-là va avoir tendance à réduire Gramsci à un théoricien de la bataille culturelle. Gramsci serait par excellence et principalement le théoricien de la bataille culturelle. Alors, là aussi, je fais encore un peu de pub pour Razmik Kecheyan, mais Razmik Kecheyan avait écrit un article très intéressant à ce sujet dans le Monde diplomatique, c'était en mars 2018, si vous avez l'occasion de consulter, je vous le conseille, qui s'intitulait « Ce que la bataille culturelle n'est pas ». Et Razmik Kecheyan expliquait de manière, à mon avis, très convaincante, pourquoi il ne fallait pas tomber dans une forme de travers consistant, au fond, à prêter à Gramsci une conception de la société comprise, je le cite, comme une entité indifférenciée, comme un espace fluide que l'on pourrait influencer dans un sens ou dans un autre en mettant en circulation des discours. Puisque, précisément, c'est l'idée que Gramsci, ce serait le théoricien d'une bataille culturelle comprise comme la victoire d'un discours contre un autre discours. Et cette lecture-là de Gramsci qui s'est imposée, est une lecture, à mon avis, assez appauvrissante. Alors, je voudrais aussi, dans cette introduction, peut-être mettre en garde contre une tendance qui est plutôt une tendance intérieure au marxisme, qui consiste à classer ou catégoriser Gramsci de manière peut-être un peu rapide comme un représentant du marxisme occidental. Alors, souvent, Gramsci est présenté comme l'un des représentants du marxisme occidental.
par opposition à un marxisme, on va dire, oriental, peu ou prou identifié au léninisme. Alors cette catégorie de marxisme occidental, hein, c'est quelque chose qui a été beaucoup développé dans la deuxième partie du XXe siècle, et notamment un essai d'un théoricien marxiste qui s'appelle Perry Anderson, hein, qui avait cherché à conceptualiser vraiment cette catégorie de marxisme occidental. Et je pense que cette catégorie est un peu réductrice, et je voudrais faire référence à une étude que Domenico Losurdo avait consacrée justement à Gramsci. Domenico Losurdo avait, dans son ouvrage, qui a un très bon ouvrage, hein, qui s'intitule Antonio Gramsci, du libéralisme au communisme critique, il avait cherché à montrer justement les limites de cette thèse consistant, donc pour l'essentiel, hein, depuis les travaux de Perry Anderson, à ranger Gramsci dans ce marxisme occidental. Alors le marxisme occidental regrouperait des gens comme Lukács, comme Althusser, comme les théoriciens de l'école de Francfort, c'est-à-dire, alors même si ces noms ne disent pas forcément grand-chose, ce sont des théoriciens marxistes qui auraient pour caractéristique de couper la théorie de la pratique, de s'intéresser principalement aux questions méthodologiques, ou de s'intéresser principalement aux questions idéologiques et culturelles, plutôt qu'aux questions, on va dire, directement politiques, dans les questions de la pratique politique du mouvement ouvrier, si vous voulez. Et précisément, lorsqu'on classe Gramsci dans cette catégorie-là, en fait, on oublie un aspect essentiel, je dirais au-delà même de son œuvre, un aspect essentiel de sa vie, c'est que Gramsci, évidemment, il nous a laissé une œuvre théorique, mais Gramsci a été un dirigeant communiste de premier plan. Gramsci a été député, Gramsci a été représentant de l'Italie auprès de l'Internationale communiste à Moscou en 1922. Gramsci a été secrétaire général du Parti communiste d'Italie, hein, lors du congrès de Lyon en 1926. Donc, on ne peut pas, je dirais, voir en Gramsci quelqu'un qui se serait en quelque sorte réfugié dans la théorie pour ne pas se plonger dans la pratique. Disons que la coupure entre la théorie et la pratique chez Gramsci, c'est une coupure involontaire. Hein. C'est une coupure qui est liée au fait qu'il a passé toute la fin de sa vie en prison. C'est principalement pour cette raison-là. Alors, je dirais que de ce point de vue, hein, il y a évidemment quelque chose d'intéressant dans cette catégorie de marxisme occidental, c'est que ça permet de présenter Gramsci comme un représentant d'un marxisme novateur, d'un marxisme qui échappe, et c'est tant mieux, à l'ossification du marxisme-léninisme, du stalinisme. Ça, c'est évidemment quelque chose de très important, mais je dirais qu'on a une lecture quand même tronquée si on oublie malgré tout la filiation et la continuité qui lie Gramsci par son parcours politique à la tradition bolchevique. Hein, parce que ça, c'est quand même un élément extrêmement important. Alors, Gramsci... il est surtout célèbre, évidemment, pour ses cahiers de prison. J'évoquais tout à l'heure le fait que toute la fin de sa vie, il l'avait passé en prison. Donc les cahiers de prison, Gramsci les a rédigés entre 1929 et 1935, hein, dans les prisons fascistes. Et ce sont ces cahiers de prison qui le rendent aujourd'hui le célèbre. Vous avez un ensemble, hein, de près de 2000 pages réparties dans une trentaine de carnets. Alors évidemment, c'est ce qui rend l'œuvre de Gramsci, je dirais, à la fois fascinante et en même temps très difficile, hein, parce que ce texte est très fragmentaire, très complexe.
c'est d'un abord assez difficile. Alors, justement, avec Florian, dans l'ouvrage qu'on est en train de préparer sur découvrir Gramsci, on va essayer de donner des clés pour lire ces textes-là de la manière la plus simple possible. Mais les cahiers de prison sont un texte qui est fragmentaire, dont l'unité d'ensemble n'a d'ailleurs rien d'évident. Et les cahiers de prison, et ça c'est quelque chose que vous remarquerez, je dirais, tout de suite, dès que vous plongerez dans un extrait de texte de Gramsci de cette période, les cahiers de prison sont écrits dans un style que Gramsci qualifiait de pénitentiaire. Un style pénitentiaire, pourquoi ? Eh bien parce que lorsque Gramsci écrit ses cahiers de prison, et c'est ce qui rend pour nous la lecture difficile, Gramsci est soumis à la surveillance constante du directeur de la prison de Toury, qui ne lui permet d'écrire d'ailleurs que sur des cahiers, c'est pour ça qu'on appelle ça les cahiers de prison, c'est pas pour une autre raison de prime abord, c'est parce qu'effectivement on lui fournissait des cahiers parce qu'on ne voulait pas lui fournir de feuilles volantes, parce que comme ça il pouvait rien dissimuler, on lui fournissait un cahier avec des pages prénumérotées, pour être sûr qu'on pouvait contrôler tout ce qu'il écrivait. Et c'est aussi donc, ce qui explique le caractère un peu elliptique de l'écriture de Gramsci, c'est-à-dire que Gramsci est contraint par, je dirais, les circonstances, d'utiliser des périphrases, d'utiliser des formules détournées pour tromper la censure. Alors c'est pour ça que vous allez retrouver, je dirais, dans les textes de Gramsci, vous ne retrouvez pas dans les cahiers de prison le mot marxisme, vous allez trouver philosophie de la praxis. Vous n'allez pas trouver Lénine, vous allez trouver Illich, parce que bon, le directeur de la prison de Turi, Lénine, il voit qu'il y a un problème. Illich, il ne fait pas le lien, c'est Vladimir Illich Ulyanov, c'est trop compliqué. Donc Gramsci va utiliser ce genre de choses. Mais ça rend évidemment le texte plus difficile d'accès. Et d'un autre côté, c'est sans doute aussi cela qui, je dirais, favorise la multiplicité des interprétations auxquelles le texte de Gramsci peut être soumis aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous disais que Gramsci peut être, de cette façon-là, revendiqué un petit peu de toutes parts, parce qu'évidemment, comme le texte est elliptique, on peut lire entre les lignes un petit peu ce qu'on a envie d'y lire aussi, c'est vrai. Alors, je m'arrête là pour, disons, la partie un peu introductive sur la réception de Gramsci aujourd'hui et le statut un petit peu des textes de Gramsci. Ce que je veux essayer de faire à présent, c'est présenter brièvement trois choses qui me paraissent être les trois grands apports de l'œuvre de Gramsci. Premièrement, le développement de la philosophie de la praxis. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'utilisait pas le mot marxisme dans les cahiers de prison, il utilisait plutôt le mot de philosophie de la praxis, mais ce que je veux essayer de vous montrer quand même, c'est que ça n'est pas juste un nom de code, c'est aussi une certaine manière de comprendre le marxisme, une manière même de refonder le marxisme. Alors je vais en parler, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, je vais essayer de privilégier, disons, les deux aspects suivants, parce qu'ils sont plus politiques, je pense qu'ils vous intéresseront peut-être davantage. C'est donc, deuxièmement, ces fameux concepts d'hégémonie et de guerre de position, dont je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler, sans forcément mettre des choses très claires derrière, parce que ce sont des concepts un peu compliqués. Et troisièmement, la théorie du prince moderne, qui est pour Gramsci le parti politique, et des intellectuels organiques. Autre concept de Gramsci qu'on retrouve très souvent. Alors je commence par cette idée de philosophie de la praxis. Philosophie de la praxis comme refondation du marxisme. Alors je dirais que l'expression philosophie de la praxis, ça n'est pas un simple subterfuge pour tromper la censure. C'en est un aussi, mais ça n'est pas que cela. L'ambition de Gramsci, à travers ce concept de philosophie de la praxis, c'est de proposer en fait une reformulation d'ensemble
de la théorie marxiste qui lui permettent d'être à la hauteur d'un double enjeu. Le premier enjeu, c'est d'échapper à l'ossification que subit la théorie marxiste entre les mains de ceux qui, notamment en Union soviétique, ont tendance à scinder le marxisme en deux blocs figés, le matérialisme historique d'un côté, le matérialisme dialectique de l'autre. Le matérialisme historique, ce serait une forme de sociologie, si vous voulez, au sens d'une étude des formations sociales, du rapport entre les forces productives et les rapports de production. Et puis d'un autre côté, vous auriez le matérialisme dialectique, qui serait plutôt une ontologie au sens d'un discours sur l'être, qui consisterait à affirmer, si vous voulez, le primat de la matière sur l'esprit, puis d'affirmer une logique qui serait la logique dialectique, donc une logique fondée, si vous voulez, sur le mouvement et les contradictions. Alors, je m'étends pas là-dessus, simplement pour vous dire que Gramsci cherche à se démarquer de cette vision un peu simplificatrice du marxisme, et l'une des ambitions de Gramsci dans les cahiers de prison, c'est de se positionner contre le manuel populaire de Boukharine, puisque Boukharine publie en 1921 une théorie du matérialisme historique qui va vite devenir une sorte de manuel du marxisme en Union soviétique, mais de manière plus générale dans le mouvement communiste. Et ce que Gramsci reproche au fond à Boukharine, c'est de réduire la théorie marxiste à l'énoncé de loi de l'histoire qui serait conçue sur le modèle des sciences de la nature, en gros. C'est l'idée générale. Et ce qu'il reproche, je dirais ça, c'est plus le reproche fait au côté matérialiste historique, donc au côté... la partie sociologie, on va dire, du marxisme conçu comme dans ces deux blocs, et sur le versant, on va dire, ontologique, sur le versant du matérialisme dialectique, pour Gramsci, le matérialisme dialectique aurait le tort de reconduire, au fond, le marxisme à une position métaphysique, qui serait une forme de divinisation de la matière. Et donc, bon, il n'y aurait pas de différence fondamentale de ce point de vue-là dans cette vision un peu réductrice du matérialisme dialectique. Il n'y aurait pas de différence fondamentale sur ce plan-là entre le marxisme et un matérialisme, on va dire, vulgaire, tel qu'on pouvait le trouver déjà dans la philosophie, dans une partie de la philosophie du XVIIIe siècle. Et c'est ça qui est, au fond, peut-être l'un des apports... les plus intéressants sur le plan vraiment philosophique de Gramsci, c'est de réinvestir contre ce forme de matérialisme vulgaire continué, de réinvestir la philosophie idéaliste. Et donc Gramsci va revendiquer une partie de l'héritage de la tradition philosophique idéaliste, ce qui est évidemment un geste qui n'est pas forcément... évident. Alors, Gramsci va revendiquer notamment, c'est quelqu'un qu'on connaît pas vraiment en France, mais qui joue un rôle important dans l'histoire de la philosophie en Italie, c'est Benedetto Croce. Et Croce est quelqu'un qui s'inscrit dans le sillage de la philosophie hegelienne. Et Gramsci va revendiquer précisément une partie de la tradition idéaliste contre la vision réductrice du matérialisme dialectique. Alors, je dirais, le deuxième aspect de cette philosophie de la praxis comprise comme une refondation du marxisme, c'est l'idée que propose Gramsci, qui est que la philosophie de la praxis, elle doit assumer sa propre dépendance à l'égard des rapports sociaux. Et ça, c'est quelque chose d'assez novateur également,
Hein, c'est-à-dire que pour Gramsci, le marxisme, au fond, doit être en mesure de rendre compte du caractère situé, déterminé, de toute philosophie, sans se placer lui-même en position de surplomb. C'est-à-dire que le marxisme lui-même n'échappe pas, en tant que théorie, n'échappe pas à l'histoire non plus. Et donc, c'est ce qui rend possible aussi le fait qu'il y ait une histoire de la théorie marxiste. Et ça, c'est... Donc le marxisme, c'est pas une sorte de théorie figée qui serait coupée, précisément, du contexte historique, dans une position de surplomb. Gramsci dit, je cite, « La philosophie de la praxis, non seulement prétendait expliquer et justifier tout le passé, mais prétendait aussi s'expliquer et se justifier historiquement elle-même. » Donc, le marxisme, compris non pas de façon vulgaire, mais à la manière dont Gramsci le cherche à le refonder, le marxisme est capable de penser sa propre position à l'intérieur de l'histoire. On a retenu une formule que Gramsci va utiliser pour essayer d'expliciter cette idée. C'est le terme d'historicisme absolu. Alors, ça donnera lieu d'ailleurs à l'intérieur des débats marxistes, notamment dans les années 60, à des polémiques ce terme d'historicisme. Est-ce que le marxisme va être compris comme un historicisme ou pas? Par exemple, quelqu'un comme Louis Althusser s'opposera de manière très, très nette à cette position-là. Mais pour Gramsci, le fait de présenter le marxisme comme un historicisme et un historicisme absolu, c'est-à-dire une théorie qui est capable de penser l'histoire, mais de penser aussi sa propre position à l'intérieur de l'histoire, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est ce qui conduit Gramsci à affirmer, et ça c'est évidemment aussi quelque chose d'important, que le marxisme est, je cite, une nouvelle culture en incubation qui se développera avec le développement des rapports sociaux. C'est-à-dire que l'histoire de la théorie marxiste, elle n'est pas terminée. Elle a un avenir. Parce que l'histoire va continuer. Et donc, la théorie marxiste, elle aussi, elle va devoir se transformer et se renouveler précisément parce qu'elle est dépendante des rapports sociaux et qu'elle n'est pas figée de manière extérieure. Alors voilà, pour cette première partie, j'essaie de vous parler un petit peu de la philosophie de la praxis, donc c'était la partie la plus aride. Si je ne vous ai pas perdu jusqu'ici, je peux enchaîner sur des choses plus, j'espère, plus simples, plus concrètes, plus directement politiques, même si, bon, c'est quand même des questions politiques aussi. L'hégémonie et la guerre d'opposition. J'en viens à ces concepts-là, parce que, notamment le concept d'hégémonie, on ne peut pas faire une phrase, on ne peut pas lire un discours politique sans qu'il soit question d'hégémonie. Alors, autant en parler. Alors, cette refondation de la théorie marxiste, comme philosophie de la praxis que Gramsci va chercher à mettre en œuvre dans ses cahiers de prison, la vocation à lui permettre d'affronter les enjeux spécifiques de ce qu'il appelle la crise organique moderne. Crise organique, le concept de crise organique, c'est ce qui sert à Gramsci à analyser des situations d'interrègne, comme celles des années 1920-1930, dans lesquelles il vit. Ce sont des situations dans lesquelles, je cite Gramsci, la classe dominante a perdu le consentement parce qu'elle n'est plus dirigeante, mais uniquement dominante. Donc Gramsci va introduire une distinction entre la direction et la domination. La direction, elle est fondée sur une forme de consentement, consenter à être dirigé. La domination, elle est fondée non pas sur le consentement, mais sur la coercition. Vous êtes contraint, si vous voulez. Et de ce point de vue, Gramsci voit dans sa situation une crise organique parce que la classe dominante perd le consentement, donc elle ne peut plus être dirigeante, elle ne peut être que dominante, donc elle ne peut plus s'appuyer sur le consentement, mais seulement, au fond, sur la coercition.
Et c'est ce qui fait que la crise organique, pour Gramsci, elle peut être caractérisée comme une crise d'autorité, dans laquelle le rapport traditionnel entre les représentants et les représentés est mis à mal. Alors, la crise organique moderne, pour Gramsci, elle se caractérise par l'ouverture d'un champ de possibles contradictoires. Les champs de possibles contradictoires, qui est contenu dans cette phrase de Gramsci qu'on cite souvent, que vous avez, je pense, déjà entendu, situation dans laquelle l'ancien meurt et le nouveau ne peut pas naître. Et vous savez que lorsque l'ancien meurt et que le nouveau ne peut pas naître, c'est là que surgissent les monstres. Voilà, c'est bien, vous suivez. Les monstres, mais pas que les monstres. Parce que sinon, ce serait un peu déprimant. Les monstres, mais aussi, nous dit Gramsci, les conditions les plus favorables pour une expansion inouïe du marxisme. Donc il y a ensemble de possibles contradictoires. Et c'est dans ce cadre, dans le cadre de l'analyse de la crise organique, que Gramsci va être conduit à proposer une réélaboration du concept d'hégémonie, tant sur le plan analytique que sur le plan stratégique. Je dis réélaboration parce que, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, le concept d'hégémonie n'est pas une invention de Gramsci. Le concept d'hégémonie, il est très présent dans les débats internes au marxisme, dans la Deuxième Internationale, dans la Troisième Internationale, dès la fin du XIXe siècle, et surtout dans les premières années du XXe siècle. Dans ces débats-là, qui sont antérieurs à Gramsci, le concept d'hégémonie sert à nommer la perspective d'une direction politique du prolétariat au sein d'un processus d'alliance de classe. C'est-à-dire que penser l'hégémonie du prolétariat, c'est penser comment, au sein d'un processus d'alliance de classe où il y a le prolétariat, mais pas que le prolétariat, eh bien, c'est le prolétariat qui va pouvoir assumer une fonction de direction dans le processus historique. Et de ce point de vue, le concept d'hégémonie trouve une de ses formulations les plus abouties chez Lénine. Alors, je parle sous le contrôle de Florian, qui connaît Lénine mieux que moi, mais ce concept d'hégémonie est notamment présent dans un texte de 1905, qui s'appelle « De tactique de la social-démocratie dans la révolution démocratique ». Au fond, dans ce texte, Lénine reproche aux mensheviks d'avoir une vision bornée, un peu bornée de la révolution bourgeoise contre le tsarisme, et il dit qu'au fond, les mensheviks pensent que c'est à la bourgeoisie de faire la révolution bourgeoise, et le prolétariat va qu'à attendre que la bourgeoisie fasse la révolution bourgeoise, après tout, c'est la révolution bourgeoise, donc c'est son affaire. Tandis que Lénine dit « Non, une révolution populaire est possible, qui place le prolétariat à la manœuvre, et donc le prolétariat peut être en position d'hégémonie à l'intérieur d'une révolution qu'est la révolution bourgeoise, qui suppose une alliance avec d'autres classes, même dans un cadre qui n'est pas l'accomplissement de la révolution prolétarienne. » Alors, simplement pour vous dire que voilà, ce concept d'hégémonie, il est présent dans ces débats-là, et Gramsci hérite de ces débats. Gramsci est très au courant de tout cela. Alors, quelle est la spécificité, au fond, de l'apport de Gramsci à propos du concept d'hégémonie? La spécificité de la théorie de l'hégémonie développée par Gramsci consiste d'abord à l'extraire du seul contexte de la stratégie révolutionnaire, puisque, comme je vous l'ai dit, dans les débats marxistes, antérieur à Gramsci, le concept d'hégémonie était mobilisé principalement pour penser une stratégie révolutionnaire, position de direction à l'intérieur d'un processus révolutionnaire plus large, et Gramsci l'extrait du contexte de la stratégie révolutionnaire pour réinscrire théorie, ce concept, dans une théorie générale de l'État. Dans une théorie générale de l'État, nous dit Gramsci, de l'État dans son sens intégral. Alors je vais expliquer pourquoi, parce que c'est aussi évidemment l'un des apports très intéressants de Gramsci, c'est de théoriser l'État, qui est un peu un point aveugle ou un point très complexe à l'intérieur des débats marxistes. Qu'est-ce qu'on fait avec l'État? C'est très compliqué.
Et donc Gramsci va chercher justement à réinscrire le concept d'hégémonie dans une théorie générale de l'État, dans son sens intégral. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en gros, que Gramsci complexifie le schéma marxiste traditionnel de la base et de la superstructure. Bon, schéma marxiste traditionnel, que vous connaissez peut-être, base et superstructure, en gros, un schéma qui avait été exposé de façon, on va dire, synthétique par Marx dans l'avant-propos de la contribution à la critique de l'économie politique en 1859. Dans cet avant-propos, Marx disait que les rapports de production constituent, je cite Marx, la structure économique de la société, la base réelle sur laquelle s'élève une superstructure juridique et politique et à laquelle correspondent des formes de conscience sociale déterminées. Fin de citation, et donc, lue de façon rapide, cette phrase de Marx pouvait laisser penser que, je dirais, la détermination de la superstructure politique, en gros de l'État, par la structure économique, donc la production, supposait une séparation entre les deux sphères. La base, production économique, la superstructure, l'État. Puis c'est l'image d'un édifice, vous avez des étages. Rez-de-chaussée, premier étage. Bon. Et en gros, d'un côté, vous avez donc, au rez-de-chaussée la société civile, la production. De l'autre, premier étage, vous avez l'État comme instrument politique et notamment instrument, dans l'analyse du 19e siècle, instrument de coercition. Alors, qu'est-ce que va faire Gramsci ? Eh bien, Gramsci va complexifier un peu l'édifice. Il va faire un petit ravalement de façade de tout cela et va nous dire que la superstructure elle-même se divise en deux grands étages. Donc on n'a plus le rez-de-chaussée et le premier étage, on a rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. On rajoute un étage sur le bâtiment. Deux grands étages, nous dit Gramsci, la société civile et la société politique. Donc, cette superstructure, elle a deux étages, la société civile et la société politique. Alors qu'est-ce que c'est ? Le premier étage, la société civile, pour Gramsci, ça englobe les institutions culturelles, les institutions religieuses, les partis, les syndicats. Et en gros, ça correspond, tout ça, toute cette sphère qu'il appelle la société civile, ça correspond à la fonction de direction ou d'hégémonie exercée par un groupe dominant. C'est là que se joue le consentement. Et puis vous avez étage numéro 2. Étage numéro 2, ce sont les caractéristiques traditionnelles de l'État, ce qu'il appelle la société politique, l'appareil administratif, l'appareil policier, l'appareil judiciaire, etc. Et ça, c'est la fonction de domination, de coercition exercée par le groupe dominant. Qu'est-ce que ça veut dire, donc, le fait qu'on ait deux étages à l'intérieur de la superstructure ? Ça veut dire qu'on élargit la définition de l'État. C'est pour ça que Gramsci parle d'un État au sens intégral. Parce qu'on l'élargit. On l'élargit et donc on lui donne une nouvelle définition. Et c'est ça l'apport peut-être principal de Gramsci dans cette affaire. Et donc pour le faire, il va utiliser des définitions sous forme d'équations. Il dit l'État c'est société politique plus société civile. Ou autre équation, dictature plus hégémonie. Parce que dictature, au sens ici de coercition, et hégémonie au sens de production du consentement. Société civile, société politique. Dictature, hégémonie. Consentement, coercition. Vous voyez les lignes parallèles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que Gramsci donne à la théorie marxiste une nouvelle théorie de l'État, et l'État intégral précisément, donc, qui englobe ces deux aspects de société politique et de société civile, l'État intégral n'est plus réductible à la coercition et à l'administration comme il pouvait l'être dans une partie de la théorie marxiste avant Gramsci. L'État est aussi éducateur, il est formateur,
et par l'intermédiaire également de la société civile. Parce que c'est ça qui est très intéressant dans cette définition, c'est que la société civile fait partie de l'État, de ce point de vue-là, fait partie de l'État en son sens intégral. Et évidemment, c'est une manière aussi pour Gramsci de récuser une thèse libérale très courante, qui est de dire que la société civile, elle est neutre politiquement. Non, la société civile, elle fait partie de l'État. C'est ça qui est très, très intéressant, ça veut dire que toute la vie sociale reçoit une coloration politique. Et cet élargissement a également vocation à mettre en avant la centralité de la problématique du consentement qui se joue dans la sphère de la société civile au sein même de la stratégie communiste. Prendre en compte le rôle décisif de la société civile suppose de comprendre, je cite Gramsci, qu'un groupe social peut et même doit être dirigeant, donc dirigeant au sens de production du consentement dans la société civile, etc., avant de conquérir le pouvoir de gouvernement. Et que, je cite encore Gramsci, c'est là une des principales conditions pour la conquête du pouvoir. Donc évidemment, c'est là-dessus, vous voyez bien, que toutes les reprises de Gramsci dont je parlais au début vont s'appuyer. D'abord, devenir dirigeant au sens d'obtenir l'hégémonie, de développer une forme de consentement avant de prendre le pouvoir. C'est là-dessus que se jouent les lectures contemporaines de Gramsci. Et alors, le corollaire de l'antériorité logique et chronologique de la direction sur la domination, eh bien, il réside dans le passage de ce que Gramsci appelle la guerre de mouvement, visant à s'emparer des moyens de coercition, à la guerre de position, guerre de mouvement, guerre de position, la guerre de position visant à construire l'hégémonie de la classe subalterne. Alors, lorsque Gramsci emploie les concepts de guerre de mouvement et de guerre de position pour analyser les différentes stratégies que le mouvement communiste est susceptible d'adopter, il dresse évidemment une analogie entre le domaine politique et le domaine militaire, ce qui ne signifie pas que Gramsci souhaite mettre en œuvre des méthodes militaires dans le champ politique ou qu'il considère que les conflits politiques devraient se résoudre par la voie militaire. Cet usage du vocabulaire militaire ici est pour une part métaphorique, et d'ailleurs c'est une comparaison qui n'est pas vraiment nouvelle dans le marxisme. Vous avez déjà ça chez un dirigeant social-démocrate allemand qui s'appelait Karl Kautsky, qui dès 1910 proposait déjà de distinguer en politique la stratégie d'anéantissement et la stratégie d'usure, par analogie justement avec la science de la guerre moderne. Alors chez Gramsci, ces expressions de guerre de mouvement, guerre de position, elles renvoient évidemment à quelque chose de très contemporain pour lui. C'est évidemment les phases de la Première Guerre mondiale, puisque c'est de là que viennent ces deux termes, pour l'essentiel, vous savez, entre août et octobre 1914, c'est ce qu'on appelle la guerre de mouvement, des assauts rapides, des charges frontales, des pertes nombreuses, et puis après, à partir de novembre 1914, on passe à la guerre de position, chacun s'enterre dans des tranchées, et puis on tient une position pendant très longtemps, vous savez, bataille de Verdun, 9 mois dans les tranchées, etc. etc. Et donc pour Gramsci, il est possible de retrouver l'équivalent politique de ces stratégies militaires. Et la stratégie de la guerre de mouvement, elle peut notamment être comparée à la théorie de la révolution permanente développée par Trotsky. Vous savez, Trotsky avait développé cette théorie pour s'opposer précisément à la théorie défendue par Staline du socialisme dans un seul pays. Trotsky défendait l'idée selon laquelle la révolution n'était pas décomposable en étapes. Il y aurait d'abord la démocratie, ensuite on passerait au socialisme, et on ne pourrait mener au fond la stratégie révolutionnaire qu'à l'échelle mondiale. Ça, c'était l'idée de la révolution permanente développée par Trotsky. Gramsci présente, quant à lui, son choix de la guerre de position comme une réfutation de la stratégie de la révolution permanente. C'est tout à fait explicite dans les cahiers de prison.
Alors, le choix de la guerre d'opposition ne revient pas à condamner toute perspective d'attaque frontale contre le pouvoir d'État, puisque Gramsci reconnaît d'une certaine façon que cette stratégie a été victorieuse en Orient, hein, dit-il, hein, c'est-à-dire en 1917 en Russie. Mais l'enjeu pour Gramsci, c'est de montrer l'impossibilité de l'importation de la stratégie qui, nous dit-il, a été victorieuse en Orient. Gramsci dit, on ne peut pas l'importer en Occident. Gramsci dit, on ne peut pas faire ce qu'ont fait les bolcheviks en Russie, on ne peut pas le faire en Italie, on ne peut pas le faire en Europe occidentale. Et Gramsci dit d'ailleurs, Lénine l'avait vu. Et c'est pour ça que Gramsci dit, Lénine, même s'il a fait la révolution en Orient, Gramsci dit, Lénine était profondément européen, de ce point de vue-là. Pour Gramsci, et c'est ça qui est peut-être le plus intéressant pour nous dans l'analyse de la stratégie révolutionnaire, Gramsci dit, ce qui avait du sens dans la Russie tsariste, où, nous dit-il, l'État était tout, où la société civile était primitive, sans forme, la population majoritairement rurale, le niveau d'illettrisme était extrêmement fort, eh bien, ce qui avait du sens en Russie n'en a pas dans les pays qui sont pourvus d'une société civile à la structure solide, hein, avec des administrations fiables, des écoles développées, une presse qui fonctionne. Gramsci, au fond, cherche à montrer que le mouvement ouvrier doit passer à la stratégie de la guerre d'opposition, parce que la guerre de mouvement est devenue une cause de défaite, nous dit-il, hein, dans le mouvement ouvrier en Europe occidentale. Et pour Gramsci, hein, ce changement de stratégie, il est d'abord dicté par les circonstances. Et Gramsci dit, la vérité, c'est qu'on ne peut pas choisir la forme de guerre qu'on veut, hein, à moins d'avoir d'emblée une supériorité écrasante sur l'ennemi, ce qui n'est pas le cas. Et donc la guerre de position, elle apparaît comme la seule possible lorsque le rapport de force est nettement en faveur de l'adversaire. C'est ce qui est le cas en Europe occidentale. Et donc la guerre d'opposition, eh bien, elle suppose cette lutte patiente, hein, pied à pied, pour conquérir des positions hégémoniques face à la classe dominante. Il s'agit de transformer par étapes le rapport de force. Et pour Gramsci, ça n'est pas une sorte de renoncement réformiste ou une forme de solution de facilité. Hein. Gramsci dit que c'est une lutte difficile. C'est une lutte difficile parce qu'elle requiert un esprit inventif. Hein. Elle exige de battre l'adversaire, non pas dans la rue, mais sur tous les terrains, sur le terrain idéologique, sur le terrain culturel, sur le terrain organisationnel. Et c'est ce qui m'amène, pour terminer, à ma troisième et dernière partie, hein, consacrée aux princes modernes et aux intellectuels organiques. Alors, comment est-ce que j'en viens à cela ? Eh bien, parce que Gramsci fait de la lutte pour l'hégémonie un enjeu politique central. Eh bien, pour cette raison-là, Gramsci va s'intéresser aux ressorts qui permettent la construction d'une volonté collective, hein, qui permettent d'élaborer cette hégémonie. Et c'est dans ce cadre, au fond, que prend place la confrontation de grande ampleur de Gramsci avec l'œuvre de Machiavel, auquel Gramsci s'est gré d'avoir donné pour la première fois à la théorie politique une forme vivante et incarnée, celle d'un chef menant un peuple à la fondation d'un nouvel État. Alors, Machiavel, bon, vous n'avez pas forcément ça en tête, vous pensez évidemment peut-être, quand on dit de quelqu'un qu'il est machiavélique, on a une image très négative de Machiavel, mais ça n'est pas du tout la vision qu'en a Gramsci, et d'ailleurs ça n'est souvent pas la vision que les philosophes en ont. Hein. Machiavel est quelqu'un qui, dans son ouvrage de 1513, hein, qui s'appelle Le Prince, cherchait à examiner les différentes voies permettant à un prince d'accéder au pouvoir et de s'y maintenir. Et donc Machiavel, c'est vrai, de ce point de vue-là, laissait de côté les interrogations morales, donc c'est ce qui avait constitué une forme de rupture, hein, à l'intérieur de la philosophie politique, hein, le fait de s'intéresser non pas à la question du juste pouvoir, mais plutôt aux manières d'accéder au pouvoir et de s'y maintenir. C'est pour ça que Machiavel a été un peu traîné dans la boue de ce point de vue-là.
Donc Machiavel laisse de côté ici les interrogations morales, et Machiavel cherche à analyser la politique du point de vue, je le cite, de la vérité effective de la chose, plutôt que de celui de l'imagination. Et Machiavel va chercher à s'intéresser tout particulièrement à l'articulation entre ce qu'il appelle la fortune, donc le hasard, si vous voulez, les événements contingents, et ce qu'il appelle la virtue, donc qu'on traduit parfois par vertu, mais qui est plutôt une forme d'ingéniosité, si vous voulez, qui est cette capacité d'intervenir habilement, justement, dans une situation qui implique de la contingence, des hasards, etc., etc. Alors Machiavel est quelqu'un qui a adressé ses conseils à des individus concrets, notamment évidemment Laurent II de Médicis, auquel son ouvrage était dédié, et il espérait justement que ces individus concrets, les princes, seraient en mesure de déployer cette virtue décisive dans la formation d'une volonté collective. Et tout le dernier chapitre du Prince bien contenait une exhortation à prendre l'Italie et à la délivrer des barbares. Pourquoi ? Parce que l'Italie, évidemment, vous savez, à ce moment-là, n'était pas un État unifié, était sous la coupe de puissances étrangères. Ce dernier chapitre du Prince, il va avoir une résonance très particulière pour Gramsci. Gramsci va voir, précisément dans ce dernier chapitre du Prince, qui est une forme d'appel à la libération de l'Italie, il va y voir le cœur même du projet de Machiavel. Gramsci va relire Machiavel à travers le prisme, finalement, de ce dernier chapitre, en disant que ce dernier chapitre, je cite Gramsci, c'est l'élément qui projette sur l'œuvre tout entière sa véritable lumière. Et donc, Gramsci, de ce point de vue-là, fait de Machiavel un théoricien de la libération nationale italienne, emprunt même d'un jacobinisme précoce, sorte de Machiavel comme jacobin précoce, nous dit Gramsci, et il va pouvoir, de ce point de vue-là, puiser des armes contre le fascisme dans la pensée de Machiavel, et notamment dans cette... Parce qu'évidemment, relire au début des années 30 l'appel de Machiavel à libérer l'Italie des barbares, c'est évidemment mettre l'accent sur un point décisif dans la lutte antifasciste. Quel est l'apport principal de la lecture que Gramsci va faire de Machiavel ? Eh bien, c'est sa redéfinition du prince. Parce que je vous ai dit, Machiavel est quelqu'un qui s'adressait à des individus concrets, à des princes. Gramsci nous dit, le prince moderne, ça ne peut plus être un individu. Le prince moderne, ça doit être un organisme, un élément complexe de société dans lequel a commencé déjà de se concrétiser une volonté collective, qui s'est reconnue et affirmée en partie dans l'action. Le prince moderne, pour Machiavel, c'est donc le parti politique. Ce que nous dit Gramsci, c'est le prince moderne, pour Gramsci, c'est le parti politique, pas pour Machiavel, bien sûr. Ce que nous dit Gramsci, c'est que, en raison du haut niveau de développement de la société civile occidentale, les princes de l'époque de Machiavel et ceux qui cherchent à continuer cette tradition, c'est-à-dire les hommes providentiels, ne peuvent plus être que le symbole d'une tentative de restauration de l'ordre ancien, et ils ne peuvent pas être en mesure de créer une nouvelle volonté collective. Seuls les organismes, donc en l'occurrence les partis politiques, peuvent être en mesure de le faire. Et donc le rôle central que Gramsci attribue aux partis politiques dans le processus de construction d'une nouvelle hégémonie est étroitement lié à sa redéfinition des intellectuels. En effet, en disant que la fonction du parti politique, comme le fait Gramsci, c'est de diriger et d'organiser, eh bien, au fond, ça n'est pas autre chose pour lui que de dire que le parti politique occupe une fonction intellectuelle. C'est précisément ce qui va conduire Gramsci à affirmer, dans sa redéfinition des intellectuels, que, au fond, tous les membres d'un parti politique sont des intellectuels précisément parce qu'ils sont membres d'un parti politique.
Gramsci est quelqu'un qui va dire « il n'existe pas de non-intellectuel », au sens où il n'existe pas d'activité humaine dont on pourrait exclure tout à fait l'intervention intellectuelle. Et c'est ce qui fait que Gramsci va proposer une définition, on va dire purement fonctionnelle, de l'intellectuel. Un intellectuel, il se caractérise par une position sociale et non par le contenu d'une activité. Et dans le sillage de cette redéfinition, hein, Gramsci va être amené à distinguer les intellectuels traditionnels, donc ce qu'on appelle, nous, de manière courante, les intellectuels, marqués par ce qu'il appelle un esprit de corps, une illusion d'indépendance, et les intellectuels organiques. Autre concept de Gramsci qu'on utilise souvent, le concept d'intellectuel organique. Et les intellectuels organiques, pour Gramsci, eh bien, ils constituent les véritables maîtres d'œuvre de l'hégémonie du groupe social auquel ils appartiennent. Et c'est pour ça que, pour Gramsci, tous les membres du Parti communiste sont des intellectuels, puisqu'ils participent à la construction de cette hégémonie. Et donc, du point de vue stratégique, je dirais, la tâche centrale pour Gramsci des intellectuels organiques du Parti communiste est de promouvoir ce qu'il appelle une réforme intellectuelle et morale. Une réforme intellectuelle et morale, irréductible à un simple processus de diffusion du savoir qui serait fondé sur une dynamique descendante de transmission, hein, une sorte de haut en bas. La réforme intellectuelle et morale, pour Gramsci, elle doit participer à la réduction de l'opposition entre dirigeants et dirigés. L'hégémonie le Parti communiste doit viser ne saurait par conséquent être réduite à un simple consentement passif. Elle doit au contraire prendre la forme d'un consensus actif des gouvernés. Et seule la production de cette hégémonie au sens fort du terme est susceptible, nous dit Gramsci, de battre en brèche les dynamiques de révolution passive qui hantent les cahiers de prison. Alors, je m'attarde très rapidement sur ce concept aussi, qui est un concept de Gramsci qui est important, concept de révolution passive. Révolution passive, c'est une catégorie que Gramsci va utiliser dans les cahiers de prison pour comprendre notamment le paradoxe du Risorgimento. Donc, vous savez, le Risorgimento, c'est cette période de l'unification italienne au milieu du XIXe siècle. Gramsci va nous dire que le Risorgimento a pris la forme d'une révolution sans révolution, d'une révolution passive. Et alors, le terme de révolution passive, il va chez Gramsci, de manière plus large, au-delà de son analyse du Risorgimento, il va désigner un ensemble de logiques dont on peut retrouver des variantes très, très diverses dans la société américaine, dans le fascisme, dans différents contextes. Ce concept de révolution passive peut s'appliquer pour comprendre des logiques qui visent à maintenir un ordre ancien et à rendre impossible toute intervention populaire. Alors, d'où ça vient ce concept de révolution passive, hein, c'est quelque chose que Gramsci reprend à Vincenzo Coco, qui avait écrit une histoire de la révolution napolitaine de 1799. Et Coco distinguait les révolutions actives, qui étaient marquées par l'intervention directe du peuple, et les révolutions passives, dans lesquelles, je cite Coco, le gouvernement devine l'esprit du peuple et lui présente ce qu'il désire, mais qu'il ne saurait se procurer de lui-même. Ça, c'est une révolution passive. Donc, la révolution passive, elle désigne, de ce point de vue, une révolution sans participation populaire, mais aussi sans transformation majeure de la vie des masses paysannes. C'était le cas, précisément, avec cette révolution napolitaine. Et Gramsci nous dit qu'il va reprendre, au fond, ce concept qui avait été développé par Coco, et le reprendre dans un sens un peu différent, puisque chez Coco, le concept de révolution passive servait surtout à expliquer l'échec de cette révolution napolitaine qui avait
l'échec de la République parthénopéenne de 1799, qui avait été imposée de manière un peu artificielle à la population napolitaine, que les représentants de la bourgeoisie entendaient libérer par en haut du joug des Bourbons. Et Gramsci va l'appliquer, donc, comme je vous le disais, au Risorgimento, et il ne se contente pas de l'utiliser pour expliquer un phénomène nouveau, il en fait une modalité particulière de la guerre de position, mais de la guerre de position menée par la bourgeoisie. C'est-à-dire que la bourgeoisie a intérêt à promouvoir les logiques de révolution passive pour mener sa propre guerre de position. Et pour Gramsci, de ce point de vue, le contre-modèle direct de la révolution passive, c'est la Révolution française. C'est la Révolution française parce que, pour Gramsci, la Révolution française apparaît comme une révolution qui est certes une révolution bourgeoise, mais à laquelle les Jacobins ont donné une portée, nous dit-il, nationale populaire, au sens où ils ont été en capacité d'impliquer l'ensemble des forces populaires. Et comme le dit Gramsci, les Jacobins représentaient le mouvement révolutionnaire dans son ensemble comme processus historique intégral, parce qu'il représentait également les besoins futurs, là aussi non seulement de personnes physiques déterminées, mais de tous les groupes nationaux. Fin de citation. Donc la bourgeoisie jacobine dirigeait, parce que son programme incorporait les revendications des paysans, des couches populaires urbaines, etc. Alors, je dirais que le concept de révolution passive, et je terminerai par là, permet de décrire la dimension paradoxale de l'action de la bourgeoisie italienne dans la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire à une époque où, partout en Europe, cette classe a réprimé les forces révolutionnaires du prolétariat montant. Pour Gramsci, la politique de la bourgeoisie ne peut pas être saisie adéquatement, de ce point de vue-là, à la lumière des catégories de réaction ou de contre-révolution, au sens où elle ne vise pas à l'immobilisme ou au retour à un passé idéalisé. Et Gramsci cherche à comprendre comment, justement, à travers l'exemple du Risorgimento, la bourgeoisie peut être à la fois à l'initiative de bouleversement, de modernisation, ce qui donne lieu à l'unification de l'Italie, donc à une forme, de ce point de vue-là, révolutionnaire, mais sous la forme d'une révolution sans révolution, parce que ces transformations s'opère sans changement notable des conditions de vie des masses paysannes, notamment dans le sud de l'Italie. Et dire de ce point de vue-là que la domination de la noblesse va être remplacée par celle de la bourgeoisie, c'est dire que tout change pour que rien ne change, selon la célèbre idée développée dans le roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, le Guépard. Je pense que vous avez peut-être lu ou vous avez peut-être vu le film, vous savez, ce personnage de Tancredi, l'aristocrate sicilien qui décide de se rallier à l'expédition garibaldienne de 1860, parce que c'est au fond la nouvelle manière de maintenir l'ordre établi, d'une certaine façon. Et alors, évidemment, je dirais que c'est pour ça que je voulais terminer là-dessus, sur la révolution passive, la révolution sans révolution, parce que je trouve que c'est une catégorie qui nous parle peut-être beaucoup aussi dans notre contexte contemporain. Gramsci parle aussi, pour désigner cette révolution sans révolution, de révolution-restauration, avec un trait d'union. Mais il dit que, et c'est peut-être ce qui peut nous intéresser, que cette révolution-restauration, elle est fragile, malgré tout, parce qu'elle laisse à l'écart la grande majorité de la population italienne. Dans le cas du Risorgimento, c'est elle qui ouvre la voie au fascisme qui s'imposera dans les années 20. Et donc, évidemment, cette logique de révolution passive, c'est peut-être, je dirais, pour Gramsci, l'un des grands enjeux du mouvement communiste, c'est comment on bat en brèche ces logiques de révolution passive, qu'il décrit aussi en parlant d'incorporation moléculaire des groupes dominés à l'ordre social dominant. Et Gramsci oppose justement à cette idée-là ce qu'il va appeler l'esprit de scission. Et je terminerai sur cette idée-là, qui peut rendre possible cette réforme intellectuelle et morale dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée que les groupes sociaux dominants, les groupes sociaux dominés, pardon, les groupes sociaux qu'il appelle aussi subalternes, vont être capables
nous dit Gramsci, hein, d'acquérir progressivement conscience de leur propre personnalité historique, hein, et donc de mettre en œuvre une véritable intervention populaire. Alors voilà, je termine là-dessus. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé, parce que mon intervention était un peu longue. C'est difficile de faire un peu tout Gramsci en si peu de temps, mais je pourrais répondre, essayer de développer davantage selon vos demandes. Merci. Donc merci Jean, et s'il y a des questions, je ne sais pas s'il y a un micro à faire circuler. Non. Donc il faut parler fort, visiblement. Je prends les questions, si vous voulez. C'est une question très rapide. D'abord, avant cette question, je voudrais saluer ce parcours particulièrement décapant et très important pour restituer Gramsci dans le communisme et pas en faire une figure attrapable. Bon, bref. Ma question est très simple. Dans son introduction, Jean a précisé que le contexte de l'écriture de Gramsci était évidemment marqué par la volonté de faire attention à la censure. Est-ce que ça n'est pas le cas pour le mot « classe subalterne » ? Personnellement, je trouve cette expression, pour moi, insupportable, mais c'est peut-être simplement parce que je ne comprends pas. Mais dans « classe subalterne », il y a une idée d'acceptation passive qui ne peut pas être conforme à la pensée gramsciste. C'est ma question. On en prend plusieurs, peut-être. Oui, on peut prendre plusieurs questions. Oui, je me joins au spécifique, mais je voudrais, par rapport à la question d'état intégral, et donc l'implication dans l'état intégral, si j'ai compris, la société civile, les associations, les syndicats deviennent. Est-ce que quelque part, parce que là, je m'interroge, ça nourrit pas les théories anti-système, où tout est à rejeter parce que tout procéderait de même. La même volonté de maintenir. Oui. Oui, moi j'ai une question sous forme de remarque. Au début, tu as attaqué la question de l'histoire des lois de la nature. Moi, ça m'intéresse, c'est une politique, je suis écologiste du métier, mais je constate que depuis à peu près 2 ans en France, il sort un bouquin tous les 2 mois sur la question des rapports homme-nature. Il n'y a que cette question des rapports homme-nature devient une question politique de très haut niveau, qui, à mon avis, conditionne le reste. C'est pour ça que je voulais savoir comment tu vois cette question, parce que tu as dit sur l'histoire de la nature, parce que je pense, moi, au point où j'en suis, qu'on a une situation extrêmement grave, politique, sur les questions écologiques. C'est quand même, qu'on le veuille ou pas, une appropriation de la science des lois de la nature, puisque l'écologie, par définition, c'est l'étude des rapports, donc c'est une science dialectique, des rapports des espèces entre elles, des espèces avec le milieu. Et voilà qu'un parti politique veut s'approprier cette question scientifique pour en faire une loi de l'histoire. C'est-à-dire que c'est le système complètement du stalinisme à l'arrêt. Ce qui pose une question, c'est que ça conduit à nier le processus dominique, on revient à la question de Darwin, et en même temps que ça nie cette question, ça nie la conception marxiste que c'est l'homme qui fait l'histoire, l'humanité qui fait l'histoire. Et c'est pas la nature qui lui impose. Donc ça renvoie à la question de la conception dialectique. Donc, est-ce que Gramsci, j'ai peu lu, peut nous aider à travailler cette question ? Et puis une dernière question, ensuite la parole à Jean, puis après on repartira. Je
Oui, moi ce qui me marque dans cet exposé, c'est, ça rejoint un sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il y a en fait des champs de science et de savoir qui sont pas, qui sont indépendants de l'objectif que l'on recherche. J'entends par là ce que tu as démontré dans ton exposé, c'est que finalement tout le monde peut s'emparer de l'approche de Gramsci, parce qu'il développe une science politique, une démarche politique qui est scientifique, et donc peuvent s'emparer, en fait, tous ceux qui veulent avoir le pouvoir, quel qu'en soit, je dirais, l'objectif. Le pouvoir pour dominer, donc tous les gens s'emparent de ça. Pourquoi ? Parce que c'est une science de la démarche qui conduit au pouvoir. Et donc, je pense que dans cette réflexion-là, le parti a un travail énorme à faire, c'est que souvent, il a abandonné des champs purement scientifiques. Je prends l'exemple de la question de la théorie de l'engagement, qui est en soi une approche scientifique de la démarche pour comprendre comment les gens s'engagent ou pas, et que le parti, lui, a considéré qu'il détenait une démarche personnelle pour aller au communisme ou pour faire militer. Et souvent, on utilise à mauvais dessein des démarches qui sont ossifiées, comme tu dis, alors que la science, le savoir de l'organisation, la science de la démarche, la science des apports sociologiques, nous apprennent qu'à bien des écarts, nos démarches militantes sont en dehors de tout champ d'efficacité tel que les gens ont pu l'identifier, et nos adversaires, eux, s'en emparent, parce que c'est eux qui développent, pour le marketing, pour toutes sortes de choses, des démarches scientifiques, mais à d'autres fins que celles que nous cherchons. Alors, je me permets de répondre à une question à propos de l'État. Je repasserai la parole à Jean sur l'État intégral, le fait d'intégrer les syndicats, etc., les partis à cette définition de élargie de l'État. Est-ce que ça ne pourrait pas nourrir une pensée anti-système d'un rejet global, y compris des partis et des syndicats? Alors, en fait, je pense qu'avec Gramsci, la perspective politique d'abolition de l'État, c'est quelque chose qui disparaît peu à peu. C'est-à-dire qu'autant dans le marxisme antérieur, c'était quelque chose de très fort et de très marqué, autant, et je pense peut-être après les expériences soviétiques, etc., après l'accès au pouvoir, la question du dépérissement de l'État et de l'abolition de l'État, elle passe au second plan. Et je ne pense pas que Gramsci, en fait, considère qu'il faille que l'objectif soit de se débarrasser de l'État, c'est-à-dire y compris syndicats partis. Non. Il s'agit plutôt, alors c'est un peu indéterminé, il y a des gens qui s'inspireront de Gramsci et qu'ils diront plus fortement, mais il s'agit de modifier des rapports de force internes à l'État, hein, puisque l'État est lui-même une contradiction de différents pouvoirs, une cristallisation de la lutte des classes, etc. Donc, non, et je ne pense pas qu'on puisse tirer de Gramsci quelque chose d'anti-système, anti-parti, anti-organisation. Au contraire, hein, c'est une pensée à chaque instant de l'organisation. Simplement, l'objectif n'est plus de se débarrasser de l'État dans des sociétés qui ne sont pas comme la société russe, où effectivement, c'était un peu château de cartes, voilà, en 1917. Mais ce n'est pas du tout le cas de la France, de l'Italie, à la même époque, donc cette perspective-là disparaît. Voilà. Donc, je pense que simplement, on ne peut pas attirer dessus quelque chose sur l'antisystème. Sur les classes subalternes, il faudrait voir le mot en italien, je ne sais pas exactement l'expression utilisée, donc je ne peux pas tellement répondre, mais je partage l'analyse sur le caractère très passif de l'expression. Mais je ne sais pas ce que ça donne en italien. Oui, pour réagir aussi effectivement à la question de Olivier sur le terme de classe subalterne. Alors, je pense qu'il faudrait regarder, c'est toujours compliqué de déterminer est-ce que c'est pour échapper à la censure ou est-ce que ceci ou cela. En tout cas, moi, l'impression que j'ai, c'est que chez Gramsci, cet adjectif subalterne, n'a jamais le sens, comme tu disais, d'acceptation passive, puisque précisément Gramsci voit dans les classes subalternes une classe qui est capable d'intervention et d'action populaire. Je dirais que peut-être qu'il y a une sorte de projection un peu rétrospective, parce que c'est vrai que, pour le coup, depuis surtout dans les dernières décennies du XXe siècle,
ce concept de subalternité dans la théorie politique contemporaine, notamment dans les débats anglo-saxons, a pris le sens que tu soulignes. Mais je pense que, alors, avec en plus un lien parfois affiché directement avec Gramsci, hein, mais à mon avis, en tordant justement le concept dans un sens qui n'était pas celui que Gramsci, je pense, voulait lui donner. Mais en tout cas, je partage tout à fait ta remarque de ce point de vue-là. Sur histoire et loi de la nature, alors après, je sais pas trop dans quelle mesure vraiment Gramsci peut nous aider à penser ces questions-là. Je pense pas que ce soit peut-être la question sur laquelle il a le plus travaillé. Le point sur lequel je cherchais à attirer l'attention lorsque j'évoquais la question des lois de la nature, c'était plutôt dans le cadre de la critique que Gramsci fait de Boukharine. Parce que, en fait, c'est plutôt du point de vue méthodologique que la référence ici aux sciences de la nature est présente chez Gramsci, au sens où ce que Gramsci reproche à Boukharine, c'est de réduire une partie du marxisme, donc ce qu'il appelle le matérialisme historique, à une forme de sociologie où les lois de l'histoire seraient, dans la manière dont elles s'imposent, dans la manière dont elles se réalisent, elles fonctionneraient de la même manière que les lois des sciences de la nature. Et c'est ça, au fond, que Gramsci cherche à récuser. Il dit, non, on ne peut pas considérer que, par exemple, les lois qui régissent les rapports entre forces productives et rapports de production fonctionnent de la même façon que les lois des sciences de la nature. C'était plutôt sur cet aspect-là. Après, j'avoue que sur vraiment ce que Gramsci pourrait nous apporter sur les questions des sciences de la nature, là, je ne peux pas vraiment répondre à cette question-là. Ce n'est pas une question que je maîtrise. Sur la remarque sur les champs scientifiques, enfin, est-ce qu'on peut utiliser justement des méthodes comme ça. Alors, je dirais, il faut faire attention à un point, justement, c'est comment est-ce qu'on comprend la théorie de l'état de Gramsci. Est-ce qu'on la comprend, au fond, comme une sorte de manuel de la prise du pouvoir? Parce que c'est ça. C'est ça aussi bien dans le populisme de gauche que dans les lectures de Gramsci qu'on trouve à droite de l'échiquier politique. Il y a un risque qui est, je pense que pour le visualiser peut-être de la meilleure façon, il faut prendre le populisme de gauche parce que je pense que c'est la démarche la plus aboutie au sens de la plus explicite de ce point de vue-là. Quelqu'un comme Laclau dit qu'il faut que la politique assume son tournant rhétorique. C'est-à-dire que et c'est pas scientifique, c'est rhétorique, parce que c'est de discours qu'il s'agit. Et donc, construire l'hégémonie, c'est une manière de manier, avec les compétences, l'art que nous offrent les moyens que nous offre la rhétorique, manier les discours d'une certaine façon pour que on puisse aboutir à la production du consentement, puis en définitive à la prise du pouvoir. Mais c'est pas comme ça que Gramsci conçoit sa théorie de l'État. C'est-à-dire que la théorie de l'État chez Gramsci, elle est effectivement plus large que quelque chose qui relèverait purement de la stratégie révolutionnaire communiste. C'est-à-dire que Gramsci s'intéresse à des processus historiques, comme je vous dis, qui n'impliquent pas directement la stratégie révolutionnaire communiste. Quand il s'intéresse au Risorgimento, il s'intéresse à des logiques qui dépassent tout à fait, cette perspective immédiatement stratégique. Mais pour autant, il ne renonce pas à s'appuyer sur une analyse de la société en termes de classe, avec des logiques et des outils qui sont empruntés au marxisme.
c'est pas un manuel de prise du pouvoir qu'on peut comme ça utiliser de n'importe quelle façon. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut être vigilant, parce que c'est actuellement vraiment la tendance principale, disons du côté politique, parce qu'après il y a d'autres types de lectures de Gramsci qui ne sont pas forcément faites du point de vue de la stratégie politique, mais c'est clairement en tout cas ce qui est à l'œuvre chez un certain nombre de courants politiques. Et je pense qu'il faut faire attention, il faut rendre justice peut-être à Gramsci et aller au-delà de la lecture rapide de quelques phrases sorties du contexte. Et puis moi c'est pour ça que je pense que on peut pas lire Gramsci de manière satisfaisante si on n'est pas attentif à son parcours, à sa vie, à ses engagements propres. Si on ne lit pas sa biographie, par exemple. Moi, je vous recommande la biographie de Gramsci qu'a réalisé récemment Jean-Yves Frétinier. Vous voyez tout son parcours et comment, justement, ces élaborations théoriques sont à resituer dans des phases très précises, dans des débats internes, dans le mouvement communiste. Enfin, je pense que ça, c'est quelque chose de très important si on veut vraiment comprendre la pensée de Gramsci et pas lui faire dire un peu tout et n'importe quoi. Oui, je voudrais juste ajouter à ce propos sur le côté rhétorique qui est mis en avant, dont parlait Jean. Effectivement, on voit que Gramsci analyse les États-Unis des années 20. Et il essaie de comprendre l'hégémonie de la classe dominante américaine. Et il insiste énormément sur le fordisme, en disant il y a la hausse des salaires. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à satisfaire au moins partiellement un intérêt des dominés pour maintenir leur hégémonie. Donc ce n'est pas simplement un espèce de discours qui est adressé à des simples d'esprit qui seraient manipulés par la classe dominante, parce qu'il y a quelque chose de très méprisant derrière ce schéma. Il y a la classe dominante américaine, elle satisfait au moins partiellement des intérêts populaires pour se maintenir au pouvoir. Donc il n'y a pas que le discours idéologique, la bataille culturelle dans l'hégémonie. Il y a aussi ce genre de choses. Est-ce que la classe dominante peut satisfaire les intérêts de certains secteurs pour que globalement elle maintienne son assise? Voilà. Et ça, souvent, ça disparaît complètement dans les analyses du populisme de gauche qui en font un pur discours qui pourrait subjuguer puis créer une unité comme ça un peu sur rien. Voilà. Alors peut-être une question, parce qu'il faut qu'on... Oui. Il n'y a pas de micro. Je voulais revenir aussi sur la question de monsieur par rapport à la relation de l'homme avec la nature, qui nous semble très important aussi. Et on peut vraiment comprendre si on ne critique pas un peu les différentes pensées, par exemple, les sciences de la nature auxquelles se référaient à l'époque, elles étaient vraiment critiquables. C'est-à-dire qu'elles étaient figées, on va dire. Il y avait le sujet qui observait et il y avait l'objet, la nature. On est beaucoup en train de critiquer ça actuellement. C'est-à-dire que ça devient beaucoup plus vivant. La nature a un impact sur le sujet, le conservateur. Comme lui, il a un impact sur la nature objet. Donc il y a la relation là, qui est très importante et qui complexifie l'étude. Donc je pense que comme juste à notre époque, il serait à l'écoute de ça. Par rapport à la. Justement. Cette science, il me semble que maintenant, j'ai déjà entendu des termes du genre trans-science. Et pour réhabiliter, disons, le rôle de la société civile, des gens, la société civile, comme le voit Gramsci, elle est vitale de la politique, du pouvoir. Mais là, actuellement, est-ce que la société civile n'est pas revenue de l'autre côté, elle est tombée du côté de la production? Dans le schéma là, que vous avez donné. C'est pas une question de ça, moi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens, que je vous dis en masse à ce que je ressens, mais il y a beaucoup plus de gens exploités, on le sait bien, et qui ne se reconnaissent pas en tant que tels, actuellement. On ne peut pas limiter l'espoir de changer à la classe ouvrière. Il y a beaucoup plus de gens qui sont exploités. Même la classe ouvrière, d'ailleurs, ne se reconnaît pas en tant que telle, actuellement. Vu qu'elle est complètement brutalisée et. Alors je vais laisser Jean répondre, et puis pour les autres questions on continuera de manière informelle, parce que là on est pressé par le temps, il y a les autres qui vont entrer.
je conclue simplement sur cette question de la place de la société civile. Est-ce qu'elle est du côté politique ou est-ce qu'elle est du côté de la production? Alors, il faut bien voir, hein, dans la réélaboration que fait Gramsci de ce concept de société civile et du schéma marxiste traditionnel, en fait, ce qu'il appelle, de ce point de vue-là, la société civile, c'est pas directement la sphère de la production, mais c'est pas directement la sphère de l'État au sens de la coercition. Donc, comme je disais, c'est tout ce qui va relever les partis politiques, les associations, les organisations religieuses, etc., etc. Mais comment dire, il ne s'agit pas pour Gramsci de dire qu'elle va être du côté de la production ou du côté de l'État. C'est plutôt qu'elle est, elle fait partie de l'État d'une certaine façon, au sens où elle permet de garantir l'hégémonie d'une classe qui est dominante au sens où elle va exploiter dans la sphère de la production, et au sens où elle est dominante dans la sphère de l'État comme société politique, au sens où elle dispose aussi du pouvoir de coercition. Donc ces étages se répondent, hein, d'une certaine façon. On va dire l'exploitation économique dans la sphère de la production. Dans la sphère de ce que Gramsci appelle la société civile, il va y avoir la production d'un consentement. Et dans la sphère de ce qu'il appelle la société politique de l'État, il va y avoir précisément tous les moyens de coercition qui accompagnent cette domination. Et ce qui est intéressant, c'est que cette sphère intermédiaire qu'est la société civile, c'est un lieu conflictuel. Donc c'est un lieu où la bataille pour l'hégémonie, elle va dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a l'hégémonie de la classe dominante qui s'exerce, mais cette hégémonie peut être contestée. Et c'est cette contestation qui est l'enjeu, finalement, de la stratégie révolutionnaire. Merci.